dernière interview Racing. C'est parti. Ludo, ça y est, on arrive au terme de 4 ans et demi pour toi au Racing. On n'est pas venu les mains vides, on va visionner ensemble les meilleurs moments de ta carrière à Strasbourg. Très bien. Je te donne l'ordinateur et je te laisse regarder. Je pense que c'est mon premier but au Racing. Ouais, passe décisive d'Adri. Hein. On est arrivé en même temps au Racing, le même jour. On a passé un mois ensemble au centre avant de trouver chacun notre maison. Ouais, c'est marquant parce que c'est mon premier but en Ligue 1, premier match à la Méno parce que j'étais blessé avant, j'avais eu l'épaule à Bordeaux. Et ouais, c'était mon premier match à la Méno et premier but, donc ça restera gravé. Ça, c'est la vidéo de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. À la Méno, on perdait 1-0 à la mi-temps, je crois. Et j'égalise juste après la mi-temps. Ensuite, Lebo, il m'est doublé. Je fais une passe décisive aussi, je crois. Ouais, c'était un très bon moment parce que forcément, c'est une demi-finale à la Méno. Ah, en plus, après, il y a la vidéo de la finale. Gagner mon premier trophée avec le Racing, c'est marquant. C'est marquant et d'ailleurs j'ai toujours la coupe à la maison, donc voilà. J'ai été très fier de pouvoir remporter ce trophée avec le club et de pouvoir marquer l'histoire aussi du club. Justement, on gagne la coupe et ça nous permet de faire les barrages en Coupe d'Europe. Ça aussi, c'était inédit pour moi. Ça commence par Haïfa, après on fait Plovdiv. Et ensuite, c'est Francfort, le dernier match pour être dans les poules de l'Europa League. On gagne 1-0 à domicile, on fait un super match. Malheureusement, après au retour, voilà, on perd le match. Mais voilà, j'étais fier de pouvoir connaître ça avec le Racing, de pouvoir renouer avec la Coupe d'Europe aussi, avec le Racing aussi, parce qu'il y avait des ambiances folles aussi. C'était incroyable. Ouais, la suivante, c'était la saison la plus difficile parce qu'on obtient le maintien à la dernière journée. Et c'est vrai que ce match à Nice où je mets un doublé, mais il était hyper important pour continuer à y croire. Et finalement, ce match-là, il nous permet aussi d'être un peu plus serein pour le dernier match. C'était pas une période facile parce que ouais, il fallait se bagarrer, se batailler jusqu'à la fin pour obtenir le maintien. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai fait ma meilleure saison, j'ai marqué plein de buts. J'ai essayé d'aider le maximum mon équipe. Mais voilà, ce que je vais retenir plus, c'est vraiment le maintien parce que ça a été vraiment douloureux. Donc j'avais eu du mal à retenir ces 16 buts parce que c'était vraiment compliqué. C'était une saison très très difficile. C'était Rennes la saison dernière où je marque à la fin. Depuis 4 ans et demi, je suis là et franchement, ce jour-là, ouais, c'était une explosion, c'était incroyable. J'ai mis moins de buts cette année-là, mais j'ai pris énormément de plaisir parce que tous les week-ends, on faisait des matchs de fou avec un public de fou aussi qui nous suivait toute la saison. Malheureusement, ce dernier match à Marseille nous a coûté la place en Coupe d'Europe, mais ben, cette saison, c'était le top du top. À aucun moment sur ce match-là, je me dis que ça serait mon dernier match pour le Racing. J'aurais bien aimé marquer. J'ai retrouvé un peu dans ce match le Racing qu'on avait eu la saison dernière, qui se bagarrait, qui harcelait, qui sur tous les ballons était présent.
même si on fait nul. Mais après, il y a Lyon aussi où, même si je rentre pas, voilà, j'étais content de pouvoir participer à la victoire en aidant mes coéquipiers, en soutenant mes coéquipiers, même du banc. Voilà. Mais ouais, c'était 4 ans et demi voilà, exceptionnel. Voilà. J'ai pu dire au revoir quasiment tout le monde. Il me manque juste le public qui était très important pour moi. Donc c'est sûr que je vais revenir pour leur dire au revoir. Comme j'ai dit, je le dirai toujours, je serai toujours Strasbourgeois. Voilà. J'ai tout connu ici et j'ai mon fils qui est né ici, donc je n'oublierai jamais Strasbourg. Voilà.